Bonjour, je m'appelle Anthony Philippe, j'ai 45 ans. Je suis enseignant à l'UTBM et je viens de participer au triathlon Ironman d'Hawaï. Ça consiste à enchaîner 3 800 km de natation, 180 km de vélo et un marathon, 42 km. L'Ironman d'Hawaï est une course très particulière parce qu'elle est le support des championnats du monde Ironman. C'est-à-dire que pour participer à l'Ironman d'Hawaï, il faut se qualifier à travers un des 30 Ironman qui existent dans le monde. Que ne se rendent pas obligatoirement compte les gens, c'est que pour participer à ça, c'est clair que derrière, il y a un investissement de tous les jours. La préparation, elle est sur du très long terme. Ça représente en ce qui me concerne entre 15 et 22 heures d'entraînement dans la semaine. En fait, je m'entraîne beaucoup tout seul, quasiment tout le temps tout seul, justement parce qu'il y a le travail, donc il y a des créneaux horaires très serrés. Les étudiants, quand ils sont en cours, des fois ils ne se rendent pas compte qu'ils m'ont eu le matin en cours, ils m'ont de nouveau l'après-midi, et entre les deux, j'ai fait une séance de 2 heures à pied avec un programme bien défini, et en mangeant, vite fait un sandwich avant de retourner en cours. Le départ, en fait, il y a 2000 personnes qui sont dans l'eau. Le départ, il a lieu à peu près à 200 mètres de la plage. Donc tout le monde est dans l'eau. Pendant une demi-heure, c'est bagarre sur place pour tenir sa place au départ. C'est pas agréable comme moment, il y a la tension. Et alors, nous, on est dans l'eau, il y a les hélicos qui tournent au-dessus, qui filment, il y a des écrans géants, il y a de la sono avec l'hymne américain, il y a un hymne hawaïen, la pression monte, la pression monte. Et d'un seul coup, boum, il y a le coup de canon. Et là, toute l'appréhension qui était là avant, depuis des heures, ce qui me concerne, elle s'annule en une fraction de seconde et paf, c'est parti, on est dedans. C'est une vraie machine à laver, hein. C'est infernal, hein. C'est pas une course de natation où il y a son couloir pour soi tout seul. Là, tout le monde va être au même endroit en même temps. C'est un sport de contact, la natation en eau vive. Ouais. En vélo, l'épreuve est tellement dure que de toute façon, on passera par des moments où il n'y a plus rien qui va, les jambes ça va plus, etc. Des moments où ça va beaucoup mieux. Donc c'est ça qu'il faut arriver à gérer. Il faut surtout gérer son alimentation parce qu'il ne faut pas oublier que quand on pose le vélo, il y a un marathon derrière. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'au moment où on pose le vélo, on arrive à un tel stade d'engagement dans la course qu'à ce moment-là, on se dit « Ah, ça y est, plus qu'un marathon !» Comme si ça semblait rien, alors qu'en fait, c'est un truc énorme qui arrive derrière. Les 15 premiers kilomètres sont entre guillemets relativement faciles parce qu'ils se font un petit peu en ville, enfin, le long du bord de mer, mais il y a du monde, il y a des spectateurs. Pendant une heure, en gros, ça va. Et après, on passe sur une route, une grande route, pareil, de nouveau dans les champs de lave où là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a que la course, les champs de lave, le goudron bien noir qui reflète bien le soleil. Là, ça devient difficile. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir les larmes aux yeux en arrivant parce que c'est tellement énorme quand on arrive qu'il y en a un peu tout qui se libère. Et c'est un sentiment, je dirais presque qu'il faut avoir connu pour le comprendre. Quoi. C'est assez particulier. Et c'est aussi ce sentiment-là qui fait qu'on a envie d'y retourner. Quoi. Je suis effectivement le premier à avoir fait 10 fois Hawaï en France. Je veux faire de la compète en étant compétitif à mon plus haut niveau. Je ne l'envisage pas pour la faire à moitié. Quand je l'ai fait 8 fois, je n'étais pas content de ma course. Donc du coup, je suis retourné pour une 9e. Quand j'ai fait la 9e, je me suis dit « Ah bah tiens, c'est dommage de ne pas essayer de le faire 10 pour avoir un chiffre rond, quoi, puis pourquoi pas arrêter là-dessus, quoi. »